J'ai vu plusieurs influenceuses skincare conseiller des laits éclaircissants et décapants à ceux-là qui ont la peau abîmée et qui aimeraient réparer leur peau. Et j'étais vraiment choquée parce que c'est abominable, c'est même criminel. Un lait éclaircissant ne peut jamais, au grand jamais, réparer ta peau. Ça ne peut pas. Et dans cette vidéo, je vais te donner 5 laits qui repare la peau avec brio. Arrêtez de prendre des laits éclaircissants pour vous réparer la peau, soit disant non, je ne veux pas devenir noire, mais en même temps, je vais réparer ma peau parce que j'ai utilisé un lait qui m'a gâté la peau. Tu as utilisé un lait éclaircissant qui a gâté ta peau et tu vas encore prendre un autre lait éclaircissant pour réparer la même peau, mon frère. Toi-même, tu dois un peu réfléchir avant de faire certains trucs. Donc, vraiment, reste scotché. Parce que ces laits-ci vont réparer ta peau. Ce ne sont pas des laits éclaircissants, ce sont des laits réparateurs. Parce que ça vient réparer les peaux abîmées. Que ce soit par le décapage, par le blanchiment de la peau, par le soleil ou par des produits exfoliants qui t'ont trop exfolié la peau au point d'abîmer ta barrière cutanée. Ces laits-ci sont là pour ça. Donc vraiment, reste scotché. Tu ne veux pas rater ça. Le premier lait réparateur sur ma liste, c'est le lait Coco Botta de la marque Palmer's Heals and Softens. Heals, ça veut dire ça soigne et ça rend la peau douce. C'est riche en vitamine E qui est un antioxydant par excellence qui vient protéger la peau et encourager le renouvellement des tissus. Parce que quand ta peau est endommagée, ça veut dire que les tissus sont endommagés, les cellules de ta peau sont endommagées, ta peau n'est plus protégée. La peau ou la barrière cutanée qui est là pour protéger la peau a été enlevée, donc les cellules de ta peau sont exposées. Donc il faut un lait qui va venir réparer cette barrière qui a été abîmée ici. Et le lait Coco Botta de Palmer's Heals and Softens le fait avec brio. Il faut acheter le lait ici. Si ta peau a été endommagée, si tu as utilisé un lait qui t'a donné la vergiture, qui a abîmé ta peau, qui a brûlé ta peau, si tu as utilisé un exfoliant chimique qui t'a brûlé la peau, le lait-ci va venir soigner ta peau et restaurer ta peau. Il ne faut pas prendre un lait éclaircissant, non. La dernière chose que tu veux quand ta peau a été abîmée, c'est d'utiliser un lait qui va encore venir fragiliser ta peau. Tu ne veux pas un lait éclaircissant parce que les laits éclaircissants sont faits d'acides. Et qu'est-ce qui fait les acides sur la peau? Les acides assèchent la peau. Les acides agressent la peau, irritent la peau. Donc tu ne vas pas être là, ta peau a été abîmée et tu prends encore un agent irritant qui va venir encore irriter ta peau. Raison pour laquelle tu vas utiliser le lait là, tu vas voir que tes problèmes ne font que s'empirer. Oui, parce que tu n'utilises pas le lait qu'il faut. Donc Coco Botta de la marque Palmer's va restaurer ta peau. Le deuxième lait réparateur sur ma liste, c'est le lait Garnier Brightening Repairing Body Serum. Donc c'est un lait sérum qui est là pour réparer la peau et clarifier ton teint. Donc pour ceux-là qui ont peur que non, je vais utiliser le lait ici pour réparer ma peau et puis je vais redevenir noire, tu peux choisir ceci. Parce que non seulement ça répare ta peau, mais ça la rend plus, ça clarifie aussi ton teint. Quand on dit clarifier, ça ne clarifie pas ton teint, ça clarifie ton teint. J'espère que tu comprends la différence, il y a la différence entre éclaircir et clarifier. Donc ce lait vient réparer ta peau et clarifier ton teint. C'est fait à base de lémon. Et ça contient aussi une crème solaire UV. Ça te protège des rayons ultraviolets. Le troisième lait sur ma liste, c'est le lait de la marque Olay à la vitamine C, qui est un lait clarifiant et réparateur parce que ça contient la glycérine et la vitamine B3. C'est un lait réparateur par excellence, surtout pour ceux-là qui veulent non seulement réparer leur peau, mais clarifier leur teint en même temps. Ce lait-ci va faire ça pour toi. Ça va réparer ta peau. Ça ne contient pas d'agent éclaircissant. Ça contient juste ce qu'il faut pour réparer ta peau, surtout à la vitamine C. Ça va nourrir ta peau, aider ta peau à se rajeunir, aider ta peau à garder l'hydratation, parce que c'est souvent ça la cause ou le problème des laits trop éclaircissants. Quand tu utilises un lait très éclaircissant qui contient ces acides-là, ça vient assécher la peau. Et ce qui favorise l'apparition des vergetures et des rides, qui en soi vieillit la peau.
Donc, ce que tu as besoin quand tu veux réparer ta peau, c'est d'une hydratation profonde. Et ce lait au lait à la vitamine C va apporter tout ce que ta peau a besoin pour se régénérer et revenir à son état d'origine. Le quatrième lait sur ma liste, c'est le lait vitamine C de Face Facts. Ça clarifie le teint. Quand je dis ça clarifie, ça n'éclaircit pas le teint. Ça clarifie le teint et ça ravive le teint. C'est fait à la vitamine C, comme j'ai dit sur Olé, nous connaissons tous ce que la vitamine C fait à la peau. Ça nourrit la peau, ça encourage l'hydratation de la peau, ça ravive la peau, ça aide la peau à se régénérer facilement. Donc si tu as une peau endommagée, une peau abîmée, tout ce que tu veux c'est utiliser les sérums à la vitamine C, pas des sérums éclaircissants, les sérums à la vitamine C qui vont venir nourrir ta peau, aider ta peau à attraper les cellules d'hydratation et de se restaurer, encourager le renouvellement cellulaire et la régénération des tissus. Parce que comme j'ai dit au début, quand ta peau est abîmée, ça veut dire que les tissus ont été endommagés. Et tu veux utiliser tout ce que tu peux pour encourager ta peau à se renouveler. Donc vraiment, voici le quatrième lait, vitamine C de Face Facts. Voici l'un des laits réparateurs par excellence. Le cinquième lait sur ma liste, c'est le lait de la marque Dr. Teals, qui contient la vitamine C, la vitamine E, le beurre de karité, le beurre de coco, qui vient hydrater ta peau, qui vient restaurer ta peau, qui vient raviver ton teint. Vraiment, ce lait de Dr. Teals, c'est un tout en un. Si tu veux réparer ta peau, si ta peau a été abîmée par les produits agressifs, par une exfoliation agressive, par le soleil, peu importe ce qui a abîmé ta peau, ce lait de Dr. Teals va venir la restaurer. On va même dire aux gens qu'un jour tu avais fait le Jiangsang, ou un jour tu t'es décapé, ou un jour tu as utilisé un produit blanchissant. Personne ne va croire parce que ta peau va revenir. Parce que c'est souvent ça le problème. Quand vous voulez utiliser les laits, là, souvent d'autres me demandent, mais Patty, je vais noircir, ou bien je vais noircir même plus que je n'étais avant. Non. Si tu utilises un lait qu'il faut, ça va juste te ramener à ton teint d'origine. Pas plus, pas moins. Ça ne va pas trop te noircir. Bon, c'est vrai que tu auras toujours l'impression que tu as beaucoup noirci parce que tu étais habitué à avoir un visage brun ou un visage clair qui n'était pas ton teint d'origine. Mais si d'origine tu es quelqu'un de clair, ça va te ramener à ta teinte en fait. Si tu étais quelqu'un qui avait un teint marron caramel, ça va te ramener à ta teinte. Pas plus, pas moins. Tu ne serais pas plus noir que tu étais, ni plus clair que tu n'étais. Ok, ça va venir nettoyer ta peau, clarifier ton teint, mais la restaurer à son point d'origine. Je ne pourrais pas finir cette vidéo sans aborder ce point. Combien de temps il faut pour restaurer une peau? Parce que c'est souvent là votre problème. Vous ne voulez pas être patient. Vous ne voulez pas la patience. Vous voulez le là, là, là. Que non, Patty, je veux un truc qui va restaurer ma peau comme ça. Quand on vous dit, pour restaurer une peau, il faut minimum 6 mois. Et je dis même minimum 6 mois, si ta peau n'a pas été trop endommagée. Genre, tu as direct, dès que tu as commencé à utiliser le produit et que ça a commencé à avoir les effets bizarres, tu as directement arrêté. Mais si tu n'as pas arrêté, déjà tu te décapes depuis des années. Il faudra aussi des années pour que ta peau puisse se restaurer. Donc sois patient. Parfois ça peut prendre même 3 ans pour restaurer ta peau. Ne dis pas que j'ai utilisé le lait il y a quelques mois, ça ne fait rien. Non, ça prend du temps. Il faut donner du temps à ta peau de se générer. Quand un organe comme la peau est abîmé, il faut du temps pour que ça puisse se restaurer. Sois patient. Achète ton produit, tu hydrates bien ta peau. Matin et soir, tu hydrates bien. Matin et soir, dès que tu te laves, tu oins ton corps généreusement. Tu achètes même une huile ou un gel hydratant. J'en parle ici tous les jours. Non seulement tu utilises ton lait réparateur, mais tu mets aussi un gel ou une huile pour bien sceller l'hydratation dans ta peau. Tu utilises ça minimum, quand je dis minimum 6 mois, c'est pour ceux-là que leur peau n'ont pas été trop endommagée. Mais si ta peau a été vraiment endommagée, sois patient. Ça peut prendre même des années. Je dis bien des années pour que ta peau revienne. Et pour que tu puisses enfin recommencer à utiliser les laits comme tout le monde. Et je dis des laits, des bons laits, des laits à la rigueur exfoliant, pas éclaircissant. Parce qu'on ne veut pas retomber ou bien revenir où on était. Donc voilà un peu ça vraiment. Ne vous laissez plus
bannés sur les réseaux. La plupart de ces influenceurs viennent recommander ces liens aussi parce que parfois ils ont pris des commissions par derrière pour faire la publicité de ces liens-ci là. Ce n'est pas parce qu'ils ont votre bien à cœur. Soyez intelligent. Parce qu'une personne intelligente va comprendre que non, j'ai utilisé un lien éclaircissant qui m'a fait ça. Comment est-ce que je vais encore utiliser un autre lien éclaircissant pour pouvoir résoudre le problème? Ça ne peut pas se faire. Non! Il te faut un lien hydratant et réparateur qui va venir arranger ou résoudre le problème que ce mauvais lait éclaire. Parce que je dis mauvais, parce que oui, il y a les bons, mais ce mauvais lait-là a fait sur ta peau. Ok? Donc, vraiment, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as des questions en commentaire, dis-moi. Si l'un de ces laits t'intéresse, comme j'ai dit, si tu es au Cameroun, contacte le numéro qui s'affiche à l'écran. C'est ma camarade Karine, elle est à Bamenda. Elle est expédiée dans tout le Cameroun. Tu peux écrire, tu fais ta commande. Je vois que plusieurs d'entre vous achetez. Vraiment, je suis ravie pour vous. Et vous pouvez lui faire confiance. C'est vraiment, on n'est pas ici à prendre l'argent des gens pour fuir avec. Non. Vraiment, si moi j'ai dit que va vers tel, c'est que je suis sûre de cette personne à 100% et c'est vraiment quelqu'un de très sûr. Si tu payes ton argent aujourd'hui, demain matin, et pas fait, et pas envoyé tes produits, aussi simple que ça. Donc, je vois que plusieurs l'ont déjà fait confiance et vous-même, vous avez confirmé que oui, c'est quelqu'un de sérieux et vraiment très organisé qui ne rit pas avec, vos commandes. Donc, si toi, ça t'intéresse, vous pouvez contacter encore le numéro aussi là pour avoir ces produits parce que oui, ce sont des produits importés. Mais si tu es ici là en Europe ou en Allemagne particulièrement, tu n'as qu'à taper juste sur Google et puis ça va te montrer où acheter, soit sur Amazon, soit sur eHerb, soit sur Flaconi, soit sur Douglas, soit sur Sylvana, soit sur Online Apothèque. Tellement d'endroits où tu peux acheter ces produits ici là quand tu es ici là en Europe, ce n'est pas un problème. Je prête plus attention à ceux qui sont en Afrique parce que c'est difficile parfois de tomber sur les produits importés ici là. Donc vraiment, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as adoré, que tu as aimé. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi et active la cloche de notification parce que YouTube me dit que plusieurs d'entre vous regardez mes vidéos sans être abonné. Moi, je sais pas ce que vous foutez vraiment. Est-ce que ça ne vous plaît pas ici? Est-ce que vous n'aimez pas être ici avec moi? Bon, on se dit à la prochaine. Bye!